Et salut à tous et bienvenue au bord du bazar pour une nouvelle aventure, cette fois sur The Dark Pictures, le chapitre de Man of Medan. Cette fois je suis en compagnie de Shaolan. Salut Shao. Salut tout le monde, salut Klarth. Bon, alors j'espère que cette fois tu m'emmènes pas au mauvais endroit. On verra. Alors... la dernière fois ça s'est mal passé. Ouais. Allez. Choisir un emplacement de sauvegarde. Ah, alors okay. Pour info, oui. Est-ce que toi l'affichage a changé? Absolument pas. Ok, est-ce que là du coup j'ai le choix démarrer avec Joe ou démarrer avec Charlie? Bah écoute, laisse-moi Joe. D'accord. Pour info, le jeu on n'y a jamais joué, on connaît à peine ce que c'est. C'est un jeu narratif. Mais bon, après, où va nous mener l'histoire? Non, en bateau, au-delà de ça. Voilà. Allez, démarre avec Charlie, go. Allez, go. Prêt? Ah, faut que je me mette prêt. D'accord, ok. Ce coup-ci, j'ai un... je sais pas, on dirait un espèce de Lego. Ouais, un mannequin d'entraînement ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais il a une tête de Lego. Allez, sous. Ah, voilà. Attention, c'est mon moi du futur qui vous parle. Comme mentionné durant l'intro, avant d'enregistrer cet épisode, nous ne savions pas à quoi nous attendre en termes de jeu. Il arrive que nous soyons séparés, mais nous continuons à communiquer. Il en résulte que pour le montage des deux points de vue, on entendra nos dialogues deux fois, même si j'ai fait mon possible pour le limiter au maximum. Nous avons changé de méthode d'enregistrement à partir du prochain épisode, donc ce problème est déjà résolu, mais impossible de le régler ici. Sachant qu'il s'agit d'un jeu où nos personnages peuvent mourir, je vous propose également de nous partager vos pronostics sur qui va survivre à l'aventure. Parmi Alex, Bradley, Julia, Conrad et Fliss. Les deux personnages de départ ne comptent pas, car ils n'apparaissent que durant le prologue. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Barre blanche en bas. Oui. Plus chez moi maintenant. Ah. Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. T'es bourré. Si je vais me battre. Hey, donne-moi une pièce. Ok, apparemment je comprends le chinois. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ah, ok. Qu'est-ce que ça t'affiche chez toi? Merde. Putain, c'est allé beaucoup trop vite. J'avais un choix de dialogue, mais je savais même pas comment le faire. Ah. Ça oui, j'aime battre. Là, moi j'ai un petit tuto. Je suis devant le mannequin. Je sais pas ce que toi tu vois. Moi je suis en face d'un vieux chinois qui me lit mon avenir. Ok. Moi je suis devant le mannequin, là j'ai le petit tuto, comment frapper, enfin comment viser, comment frapper. D'accord, moi je... Non, on n'est pas du tout au même endroit. Maintenez pour saisir des objets. Utilisez R pour examiner. D'accord. Ok, maintenant c'est avec un temps. Ben... On dirait un poisson. La ruine? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Ouf. QTE. Je sais pas si toi tu vois quelque chose de ton point de vue. Je suis pas au même endroit. Ou même entendre, je sais pas. Non, je suis en dialogue. Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? Me battre? Ouais? T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Donc là, je suis venu te rejoindre, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et moi, je vois un vieux chinois maintenant, là. Ok, papy. Ah! Qu'est-ce que tu vois dans mon avenir? Ok, ouais, là j'ai un dialogue, enfin un choix. Alors, ne rien... moi, il m'a prédit la ruine. D'accord. Alors, j'ai choix entre trouble, la mer sera-t-elle calme, espoir, Joe réglera-t-il ses dettes? Ou ne rien dire. Allez, tiens, Joe réglera-t-il ses dettes? Tu peux rêver. Est-ce que Joe va devenir riche avec les 50 cents que je viens d'investir pour lui? Pardon. Ok, du coup, faut que je choisisse entre deux trucs. Le coq ou l'eau. Allez, l'eau. Ouais, on dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. J'ai pas raison. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. Réactualiser. Réactualiser? Oui, c'était marqué en haut de l'écran. Ah. Là, tu vois qu'il y a une caisse qui est en train d'être chargée. Oui, oui, okay. Oui. Donc ça, c'est bien synchronisé, tout va bien. Bon, c'est rigolo. Graphiquement, il a vraiment pas l'air vilain. Oui. Bon, 2019. Comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Eh, j'ai rien fait, moi. T'es bourré. commence à peine l'histoire, et on est séparés. Ça me rappelle un certain We Were Here Forever. Je savais que ça puait dès le début, ça. Tu vois ton personnage là ou oui, le mien? Le mien. Ah, moi je vois le mien, je crois. Je suis à l'infirmerie. Ouais, moi je suis derrière les barreaux. Klarth et Joe. Et Charlie Trou, 1h36. Et moi, c'est Shaolan et Charlie. Ok, bah je suis dans ma piole. Ok, bah moi je suis dans la cellule là où il y a la porte qui est ouverte. Oh. Ouais. Eh oh. Y'a quelqu'un? Je suis en train de me balader. Moi je regarde... Oh. Pour papa, reviens vite, d'accord. Non, c'est à l'arrière d'une photo. Ah. Alors, ça dit quoi ça? C'est moi qui ai fait le con ou quoi? Faut que je reste appuyé. Putain merde! J'ai trouvé un cadavre. Ah oui, faut que je... Ah, ok, ouais, faut que je reste appuyé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? John Colesman Ferry. Bon là, je lis le papier, pas le texte. Serge, non. Bon. Non. Il sa... hein? Putain, ah, ok. Il y a de l'argent par terre, je veux ramasser l'argent, pas la clé. Eh, l'argent c'est à moi. Oui, bah justement, c'est pour te les rendre. Ok, alors là, ça doit être un rapport sur moi. Il s'avère que le soldat Charles Anderson en permission s'est enivré d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre. L'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à une rixe en public. Des mesures ont donc été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. Ok. Bon, je vais examiner le cadavre. Mmh. Maintenant que j'ai récupéré ses clés. Alors là, il y a encore un coffre-fort, une porte et encore un bureau et du sang sur le mur. Ça promet. Non, ça commence fort. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je sors de la chambre qui a été verrouillée et probablement que la clé m'a permis d'ouvrir la porte. Moi je vais inspecter le sang. Enfin si c'est bien... Oui, ça a l'air d'être du sang. Ouais, une belle tache sur le mur. Là je suis dans les couloirs du navire. T'es dans les couloirs aussi? Non, non, moi je suis toujours encore dans la pièce, j'ai encore des trucs à fouiller. Ok. Ça c'est quoi? Un rapport des détenus apparemment. 27e semaine de détention, lundi, Arthur Miller. Ah ok, d'accord. Salut Charlie. Alors les vacances. Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Eh, pourquoi j'ai pas eu d'interaction pour ouvrir ou pas? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Moi je veux lire mon papier, moi. Mm-hmm. Ah, c'est bon, on peut retourner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, 27e semaine, lundi, Arthur Miller, soldat, larcin, un jour de détention, petit objet appartenant à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller, bien récupéré et rendu à leur propriétaire. Mercredi, David Davis, soldat, entrée non autorisée, 2 jours de détention, surpris dans la cale 3A, sans autorisation, mépris flagrant désordre. Ok. Vendredi, première classe Louise Brand, ivresse publique, 1 jour de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Robert Reed, ivresse publique, 1 jour de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Ouais, pareil. Ok. Ah, la tache de sang. Est-ce que je dis quelque chose ? On peut interagir avec? Non. Non, juste la regarder. C'est beau. Ah tiens, je sais pas si du coup je réinteragis avec la tache de sang. Ouais, c'était... Je me suis posé la même interrogation. Bon alors, t'es en plein écran, t'es dégueulasse, t'as l'air complètement bourré. Alors, en même temps, c'est pour ça qu'on a été enfermés, alors. Allez, mais tu peux interagir avec, toi, quand je suis en cours d'interaction? Ah, on interagit avec la tache de sang, du coup. Comment on court? J'ai déjà regardé, j'ai rien trouvé. Mais apparemment, je peux pas interagir avec la tache de sang quand t'es dessus. Ok. Ok. Bon, que j'enlève ton plan... non, ton visage en gros plan. Montre-moi l'infirmerie, je veux voir ton cadavre, là. Ah. Faut revenir en arrière, alors. Oups. Oh. Ok, RB, ça ouvre le menu. RB, d'accord. Ah, faut se remettre près tous les deux. Faut cliquer sur continuer. Ouais. Oh putain, ah ouais. En plus, il y a un timer. Ok. Ben, j'ai Monster Hunter style, je voulais courir. Ah, bah on peut pas revenir en arrière. Bon, bah désolé, tu verras pas l'infirmerie. Oh. Bon, je vais essayer l'autre gâchette. Non, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, ok. Putain, mais il a l'air... Oh. D'être dépanné. Quoi? Ah. Appuyez sur A en rythme, d'accord. Avec les battements, d'accord. Il n'y a pas de battement, donc tout va bien. Ah. Heureusement qu'il s'est pas tourné vers nous, hein. Ah merde. Ah. Ah bah, ça promet. Ouais, ça promet de se foutre dans la merde l'un l'autre. C'est clair. On part chacun dans une direction. Il est où le con? Il est là. La porte ne s'ouvre pas. Bah, le chef, il est parti par là. Non. On verra bien si on revient en arrière ou pas. Mais qu'est-ce que... Ok. Ah, là, il y a une porte avec laquelle je peux pas interagir. De mon côté, il y a le couloir qui continue... Enfin, bonjour. Salut. Ah oui, d'accord, t'as directement la porte. Oui. C'était quoi ce... C'était quoi? Ah. C'est quoi ce bordel? Bordel qui traîne au sol, là, partout. Un enfant. Qu'est-ce qu'un gosse ferait à bord d'un navire militaire? Ah, la porte est interactive. Oh, surprise. La porte est... Ah. Pas besoin d'aide. Aide-moi! Ah. Appuyez plusieurs fois pour percer la porte. Klarth, ça a échoué. Oui, je me suis mis beaucoup trop tard. J'ai d'abord lu le tuto et ensuite j'ai commencé tranquille. Et merde, faut quand même cliquer rapide. Parce que je pensais que ça rechargerait la barre à chaque appui. Donc j'étais pas pressé. Oh! Non, ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Ce serait tellement bon pour le même Hello there. Espèce de débile. Hello there. Non. Et j'ai vu ta tête en gros plan. Ok. Il y a un autre cadavre ici. Un autre Maccabée. Je me demande qui c'est. Ça doit être Jean-Louis. Oh, putain. Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux messes et il pétait la forme. Est-ce que tu le vois, lui? Est-ce que t'as le cadavre en plein écran? Non, je te vois toi, genouillé à côté. Ouais, parce qu'il a les doigts figés dans une drôle de position. D'accord. Attends, je vais essayer, je vais interagir aussi. Est-ce que tu dis quelque chose? Ah ouais, là je vois plus, ouais. Est-ce que tu fais une phrase? Non. D'accord. T'avais entendu la mienne? Oui, oui. Okay. J'étais même en train de descendre l'escalier. Ah. D'un coup, je vois mes pieds, l'escalier. Non, non, je veux pas monter. Enfin, je veux pas descendre. Ah, en plus, il y a marqué danger au niveau de l'escalier, donc je sais pas si c'est parce que ce qu'il y a dedans ou parce que c'est un escalier. Bon, bah, de toute façon... Ouais, on n'a pas le choix. J'aimerais bien voir où on avance. Caméraman, maintenez LB pour courir, pour marcher vite. D'accord. Donc j'étais pas loin quand j'avais essayé RB. Bah je l'avais essayé avant aussi, mais c'était pas débloqué apparemment. C'est moi ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? T'as juste la tête d'un déterré, Chuck. C'est le chiotte. Je pardonne le compliment. Génial. On va se marrer. Bon, allons voir sur le pont. Ouais. Cool. D'accord. Super. La différence est pas flagrante, hein. Ou le con. Hey, Chuck. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'as vu un gamin? Non. Ok, moi j'en ai vu un. Ah. Ah. Ou alors donc ou alors la première fois. La première fois, t'as pas vu le gamin non plus dans le couloir? Il y a. Quand j'ai dit qu'il y avait un gamin au sol. Non. Ok. Très bien, parce qu'il y a eu un gamin qui courait devant l'écran, devant la caméra là-bas. Ah. Ou alors j'ai absolument pas fait gaffe, faudra que je regarde dans mon enregistrement du coup. Et donc c'est la deuxième fois que ça arrive. Est-ce que t'as entendu le rire d'un gamin? Ou un truc comme ça? Ok. Il vient de passer la porte. Je vois pas la porte. Ah merde. Là je vois un cadavre au sol. Ah ok. Donc on a chacun la vue de notre gars. Oui, je pensais que tu me suivais. Hey, viens là. Qu'est-ce que tu fous au sol, toi? Je te vois toi au sol en train de m'appeler. Ah. Cache-toi. Non, c'est pas vrai. Charlie. Moi je te vois par terre, mais... Ah merde. Avec bon, bah, je vais suivre ton conseil. En espérant que tu me racontes pas de la merde. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je viens de me faire flinguer par le vieux chinois. Il y a le gosse qui s'est transformé en momie. Et qui est en train de m'aspirer ma force vitale, on dirait. D'accord. Alors j'espère que c'est une hallucination, sinon moi je suis mort. Moi aussi. Vu sur le navire. Oui. Mayday. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position, je le répète, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai. Tu vas marcher, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Il a de l'espoir. Oh. Ouais, quand je t'ai trouvé, tu faisais à peu près cette tête. Qui rame. Ah. C'est les crédits de fin de jeu, merci d'avoir joué. Ouais, bah moi je les ai pas eu. Enfin c'était dégueulasse, ça a ramé, ça... le son a complètement saturé. Ah. Et bienvenue dans ma collection. Donc je récupérerai cette partie dans ta vidéo. Je m'en doute. Et là on a Morgan Freeman qui va nous faire... Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente. Qu'est-ce qui branle ? Ils ont des conséquences, et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Splendide, une photo de mon ami qui meurt. Parfait. Comment faire pour que cela arrive? Petit ami de Julia, insécurité. C'est toi qui ramène les bouteilles? Ah oui, c'est toi. Tu es mon frère. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau? En plongée? Tu pourrais me montrer comment font les pros? Mais putain, mais ça va trop vite! Ah? J'ai à peine le temps de lire une réponse que la réponse est déjà validée. Et la réponse était ne rien dire. Encore une fois. Bon, passons. Faut charger le matos. Mais t'avais le joystick dans une direction ou quelque chose? Bah non, enfin je pense pas. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Ah, j'ai un choix. Ah, oh, ok. Ouais, en effet, moi pareil. À peine eu le temps de... voir quoi que ce soit. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, donc ce sera plus des... Essaye de faire vers le bas. Ouais. Voilà, j'ai choisi... Bon, je crois que j'avais plus de temps du coup, mais... Hein? Mais je crois qu'il y aura des choix qui seront vraiment instinctifs. Ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Relation actualisée. D'accord, donc nos relations peuvent très actualiser. Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Surtout quand t'as pas le temps de le faire. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hey, sœur de Conrad, petite amie d'Alex. T'es mérité insouciance. Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. En mal. Je t'ai menti. Salut. Ça te dit une petite mousse? Ah, tu fais un choix apparemment. Oui, et je fais tourner la roue pour pas que ça me rechoisisse un. Ah oui, je vois la roue du truc. Ouais, okay. Trop bien, ouais. C'est bon. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Ouais, c'est absolument pas moi ça. C'est cool, Bradicool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, hey, c'était une blague. J'ai une meilleure vue quand je suis derrière. T'as déjà fait de la plongée? Quoi? T'as une meilleure vue quand t'es derrière? Ouais. Carrément. Des tas de fois. Ah, parce que tu vois mes dialogues? Non, je t'ai entendu. Ah, ok. T'inquiète. À force de plonger, j'ai des branchies qui ont poussé. Cesse de m'écouter. Et toi, tu plonges beaucoup? Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu vois, quand j'étais en vacances. Je t'ai manqué. Ça me dit une petite mot. Attends, quoi? Ah. Tu fais un choix, apparemment. Oui. Et je fais tourner la roue pour pas que ça me rechoisisse un. Ah oui, je vois la roue du truc. Ok, c'est bon. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Ouais, c'est absolument pas moi, ça. 10 minutes, c'est moins flippant. Donc, on se jette à l'eau tous les deux? Si t'arrives à me suivre cette fois. J'ai une meilleure vue quand je suis derrière. C'est ça. Et il fait plus. Bah, t'as une meilleure vue quand t'es derrière. Oh. Ah, au mec, je lui ai raconté des bobards. Il m'a demandé si j'ai déjà fait de la plongée. Ouais, ouais, plein de fois. Impatience, courage. Je vous invite très bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ouais, pas commode. Ah, si ça te dit, je suis partant. Je la sentais venir, celle-là. Ouais. Mais bon, elle a la gueule d'une nana qui va mourir rapidement. Mmh. Ou faire en sorte que les autres meurent. Oui. Mais c'est nous qui faisons les choix. C'est la bière. Mmh. On va dire ça. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben... Voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, oh, putain, je connais des coins sympas où plonger. Mate-moi ça. Tu vois, pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? C'est un peu loin quand même. c'est juste de trouver des idées au cas où on ne rien sur la caméra sous-marine. Pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette phrase. En général, c'est une claque de plongeur. Ouais. Ça n'a rien à voir. Oh putain, j'hallucine. Mate-moi ça. Alex, viens voir. Je crois qu'on a trouvé un truc. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Merci Brad. Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Tu vois un tank qui descend ou quelque chose? Eh, hey, on dit rien et c'est bon. On fait rien de mal. Je fais tourner le joystick. Bon, je crois qu'on ferait mieux d'écouter notre merveilleuse, magnifique, sublime et magnifique capitaine. Si elle dit qu'on doit faire ça, alors... Conrad, s'il te plaît, je t'ai pas amené ici pour que tu dragues. Non, c'est pas... Tout ce que je dis, c'est qu'elle a raison, mais pas parce qu'elle est belle. Enfin, j'avoue, elle est belle. Mais c'est rien qu'une coïncidence. C'est elle, la capitaine. Eh, hey, on a payé pour plonger. Et pas qu'un peu. Alors on y va. Comme vous voudrez. Mais si ça se passe mal... Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La Prumps. La Prumps a crevé. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, hey, tu devrais peut-être parler à ton frère. Ah, ok. Donc oui, ce que je fais quand il y a le dialogue, vu que je suis pas convaincu de savoir comment ça fonctionne, c'est je fais tourner le joystick et autour de la route dialogue, il y a une barre qui se vide. Ouais, d'accord, donc j'ai pas rêvé. Et mais par contre, si tu restes trop longtemps sur un choix, ça le valide. C'est pour ça que je tourne comme un con. Oui. Salut chérie. Et toi, t'es où? Derrière toi. Avec les jumelles. Ah merde. Oui, putain. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Bon, finalement, là, j'ai pas touché au joystick et la boussole tourne aléatoirement. D'accord. Mais il se passe rien de particulier. Est-ce que je peux te parler ou... Moi, je suis en train de regarder des photos. Ah bah oui, j'ai la tête au-dessus de ton épaule. Ah. Mais je vois pas grand-chose, il y a ta grosse main devant. Chez moi aussi, il y a ma grosse main devant. Ok. Bon, je vais aller parler à mon frangin ou... Ah non, il y a encore d'autres trucs interactifs avant. Genre la capitaine. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. J'ai l'impression que Conrad est bien le seul à respecter la hiérarchie par ici. Allez, on va pas se la mettre à dos. Allez, je vais parler à la frangine. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Ok. Parfait. Je vais préparer les retireurs. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Allez, je vais parler à la frangine. Eh, Julia. Allez, on va pas se la mettre à dos. Eh, Conrad, ça roule? Ouais. Oh, ce boulot. Je croyais qu'on était venu ici pour se relaxer un peu. T'as jamais eu à bosser de ta vie. Tu rigoles? C'est du boulot de rien faire. Et... je me tue à la tâche. Ouais, bah tu ferais mieux de regarder comment marchent les recycleurs si tu comptes plonger demain. Bla bla bla, cause toujours. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Eh, hey, elle est cool, même si elle est un peu à cheval sur les règles. C'est rien qu'une garce. Eh, hey, oh, c'est pas avec elle que tu vas plonger, elle va pas gâcher tes plans. Conrad, arrête d'essayer de te taper flics. Tes techniques de drague minables, ça suffit. Quoi? Minable? Elle finira par mordre à l'hameçon, Frangine. Tu verras bien. Okay. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Bon, je vais aller me détendre et profiter de la vue au maximum. Et quand je parle de la vue, je vais aller mater notre capitaine comme un petit pervers. Quoi, t'as entendu ce que j'ai dit? J'ai fini la conversation à ce moment-là. Donc toi, je t'entendais bien. Est-ce qu'on peut parler? J'ai presque tout vérifié. Ah bordel, j'ai pas l'impression. Bien. Ah, espèce de pervers. Ah ouais. Ah, tiens, il y a encore un truc qui traîne là. Oh, capitaine, mon capitaine. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Toi, au moins, tu m'as montré un peu de respect. Même si t'es bien le seul du groupe. Ah ouais. Désolé pour ça. On dirait bien que c'est un faux. Montrer parfois... extrême. On peut dire ça, ouais. Il y a des lois ici, et aussi des coutumes. Vous devez les respecter. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? Les épaves, c'est ma passion. Je suis hyper calé sur le sujet. Ah ouais? Alors pourquoi tu veux pas suivre les règles quand tu trouves une épave? Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Personne saura qu'on est allé dans cette épave. On va juste faire un petit tour à l'intérieur. Rapidos. Après, tu signaleras sa découverte. Si ça te tient tant à cœur. Tu sais quoi? Très bien. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous m'écouterez pas. Mais si vous prenez un truc dans cette épave, vous ferez de nous tous des criminels. C'est bon, on va ramasser des zombies, c'est tout. Par contre, je suis tombé sur une info intéressante. Ah. Son permis, ou je sais pas trop ce qui traîne là, c'est un faux. Ah bon? Oui. Attends, moi je vais voir ça. Faut que tu t'éloignes, je peux pas interagir. Je suis pas si gros. Merde, je suis en train de descendre. Bon, bah tant pis, je vais voir mon frangin. Si je le trouve. Ah oui, accessoirement, j'ai éteint la station météo. Et je peux pas la rallumer. Ah. Alors, nom complet, Félicité Dubois. Numéro de plongeur. Identifié versé, autorisé à donner des cours dans la spécialité précisée, comme indiqué par la Fédération de plongée, expire le 31-12. Ok. Faut que tu le retournes aussi. Comment on le retourne? Avec la gâchette. Ah. Avec, pas avec la gâchette, avec le joystick. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est un faux, ouais, en effet. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Mmh. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Waouh. C'est quoi ça? D'accord. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Waouh. C'est quoi ça? Mmh. Ah, je crois que je viens de trouver une photo du futur. Ah. Shaolan a trouvé un tableau. Prémonition débloquée. D'accord. Est-ce que je peux le regarder à nouveau? Bon, je te vois, donc je vois où est-ce qu'il est, si je peux le regarder à mon tour. Ah merde, non, la prémonition, elle se joue juste une fois, elle a duré que quelques secondes. Je peux essayer. Enfin, si c'est jouable une deuxième fois. Ah oui. Enfin, une deuxième. Enfin, on peut le regarder plusieurs fois, mais... Il y a le frangin. Dans une petite pièce. Dans... Mais là, avant de rentrer, il faut appuyer sur A, ici. Et je pense que le frangin est là-dedans. Ah, je crois que c'était là, ouais. Côté. Ah bon, bah ça c'est fermé. Eh, hey, c'est mon frangin. Oh, j'aurais jamais dû boire cette bière. Je vais être franc, t'es complètement HS. Ça me fait un rival de moins pour Fliss. C'est vrai que je suis plutôt bien gaulé et que ça peut faire tourner la tête. Oh mon dieu. Mais t'as les cellules grises d'un vrai génie. Faut pas le négliger. T'inquiète pas, mon grand. Je te la laisse. Ok. J'imagine qu'il est temps pour Casanova d'entrer en piste. Vas-y. Je vais ramasser. Je vais avoir une mort tellement horrible. Ça s'appelle le karma. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Ah, il se répète. C'est ce que j'ai hier, tu l'as déjà dit. Eh, hey, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète, il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi, remonte quand tu te sens mieux. Il va lui arriver une broutille. Salut placard, qu'est-ce que tu caches? Fascinant. Ah. Eh, hey, c'est quoi ce truc? Salut, j'étais en train de vérifier que tous ces trucs étaient bien rangés. Ok. Désolé, je pensais pas. Hey, salut. Est-ce que je peux rouvrir? Non. Ah, dommage. J'ai juste vu un bouquin, Shroud of Innocence. Ouais, il y a un bouquin et un... Pourquoi j'arrive pas à remonter? Ah, il y a un bouquin et un parfum avec lesquels j'ai pu interagir. Bah, bon, je vais juste mettre pause. Faut que j'aille pisser, j'ai trop bu. A few moments later. Ok. Bon, c'est ta frangine, je t'autorise à lui parler. Et jette un coup d'œil à ça quand tu peux. Ok. Ah, bon bah. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Eh, tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Oh, hey, au fait... Quoi? Sérieux, tu pourrais faire moins de bruit? J'ai failli oublier l'essentiel. Quand je regardais les images de la caméra, j'ai vu un gros trou dans la queue. Et bingo! C'est par là qu'il faut entrer. Wow, beau boulot. Merci, Conrad. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout pas de bêtises. Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. La journée va être longue. Shaolan fait un choix. Alors, tout roule? Alors, ils vont plonger ou quoi? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. La journée va être longue. Ok, les gars, c'est parti. Et n'oubliez pas les règles, surtout. Je t'écoute pas. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Oh là 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 là, il n'y en a pas pour attraper l'autre. Non. Mais je suis parti sans une espèce de matraque. Ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincée. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Une petite tête, je dirais rien. Je peux choisir sa réponse. Non. Là. Cette forme, ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Klarth et Fliss. On peut entrer par là. Oh. Il y avait marqué quelque chose sur qui je suis, moi? Julia. Ok. Merde, j'ai pas écouté ce qu'il disait. Oh putain, il est apparu nulle part celui-là. Oh, regarde. C'est peut-être dangereux. Sauf que moi je suis en haut, je suis sur bateau. D'accord. Quel gentleman. Ouais, moi je suis en bas dans l'épave. Oui, capitaine. Ton commandant second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant second. En troisième, alors? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet Klarth et Fliss. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. Y'avait marqué quelque chose sur qui je suis, moi? Julia. Ok. Merde, j'ai pas écouté ce qu'il disait. C'est vraiment sympa de penser à ça. Sauf que moi je suis en haut, je suis sur bateau. Peut-être en discuter. D'accord. Ouais, moi je suis en bas dans l'épave. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi! T'arrives à y croire, sérieux? Donc là, t'es en train de... Attends! Ah, j'ai débloqué une autre prémonition. Je viens de trouver un tableau. Oui, tu disais? Donc là, toi, t'es... Tu es Julia ou tu es... Je suis Julia. Ou Alex. D'accord, moi je suis la capitaine. Ouais. Et attends, faut que je m'occupe de toi, a priori. La météo est bonne. Hmm. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie. Il y a peut-être un navire qui se dirige vers nous. Ah. Donc là, toi, t'es... Tu es Julia ou tu es... Je suis Julia. Ou Alex. D'accord, moi je suis la capitaine. Ouais. Et attends, faut que je m'occupe de toi, a priori. Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Il y a peut-être un navire qui se dirige vers nous. En fait. Ah. Shaolan a trouvé un secret. Le long du fuselage. Obus anti-aérien. Brad va halluciner quand il verra ça. Duke à Alex. Duke à Julia. Ici Julia, à toi. Comment ça se passe en bas? Vous avez trouvé des trucs qui vaudrait mieux pas toucher? Tu me croiras jamais. Cet avion sort tout droit d'un livre d'histoire. Ok, ok. Mais faites attention et ne traînez pas trop. T'en fais pas. On compte pas s'éterniser. La transmission s'est arrêtée avant la fin de la phrase. Est-ce que je peux nager plus vite aussi avec RB? J'ai pas l'impression. Bah j'ai pas l'impression de pouvoir me déplacer plus vite non plus, actuellement. Ah oui tiens, il y a les jumelles. J'ai pas regardé tout à l'heure. Ah, je verrai peut-être ce que c'est que le point qui est sur le radar. Shaolan a encore trouvé un secret? Eh ben... Moi je trouve que dalle ici. C'est pas dans mon propre bateau que je trouverai des secrets, je pense. Ah. Mais fais le tour, espèce de grognasse. Salut, ça va, tranquille? Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Alors comme ça, t'es puni? Comme un gosse? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Pas mal. T'as peut-être pas tort, mec. Quand tu la travailles, celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. On se voit plus tard. Ah. Est-ce que je peux nager plus vite aussi avec RB? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de pouvoir me déplacer plus vite non plus. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Ah oui tiens, il y a les jumelles. J'ai pas regardé tout à l'heure. Ah, je verrai peut-être ce que c'est que le point qui est sur le radar. Il manque un des canaux de sauvetage. Shaolan a encore trouvé un secret. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose. Moi je trouve que dalle ici. En même temps, c'est pas dans mon propre bateau que je trouverai des secrets, je pense. Bon sang. Mais fais le tour, espèce de grognasse. Oh, il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'as peut-être pas tort, mec. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? L'autre pervers qui continue de me draguer. Ah, quelle saloperie! Ça me plaît pas, ça, ce que je vois. J'ignore totalement ce que tu vois. Ah, c'est toute la beauté de la chose. Oh, tiens, je peux rentrer ici. Oh, oh bordel de merde. Ah, j'ai une prémonition. Ça aurait dû être pire. Ah. Ça me plaît pas, ça, ce que je vois. J'ignore totalement ce que tu vois. Ah, c'est toute la beauté de la chose. Oh, tiens, je peux rentrer ici. Oh, bordel de merde. Ah, j'ai une prémonition. Quoi? Pourquoi je garde ces tableaux, moi? D'ailleurs, ça a trouvé un tableau. Ouais. Ça pue. Ouais. Bon, on le savait déjà en lançant le jeu, mais... Je crois que j'ai merdé. Enfin bon, je m'en doutais un peu que ça allait arriver, mais... Oh. Claire, ça a trouvé un tableau. Ouais. Pilote et copilote, j'imagine. Ça pue. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être... On savait déjà en lançant le jeu, mais... Doucement, ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai merdé. Enfin bon, je m'en doutais un peu que ça allait arriver, mais... Oh. Quoique ça a l'air d'aller. Il y a un bateau qui arrive. Ah. Il tient quelque chose. Ah, mais ça je l'avais déjà. Attends, on va voir. Hop. Il se passe que ça a l'air d'aller. Eh, Fliss! Là, un bateau! Il y a un bateau qui arrive. Ah. Ah, mais ça, je l'avais déjà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? On va voir. C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Bon. Est-ce que tu vois le bateau se diriger vers le bateau, la navette? Non, là j'ai la vue de l'épave. Ok. Est-ce que tu vois le bateau se diriger vers le bateau? Non, là j'ai la vue de l'épave. Il faut qu'on tire d'ici, vite. Oh bordel. Bon sang, Alex. C'est juste un requin de récif. Ça se passe mal en haut aussi. Ah. Hé, dégagez de là. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh bordel. Ça se passe mal en haut aussi. Ah. Des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau. On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? Des dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars, c'est pas un problème. Eh ben, il y a Conrad qui fout la merde. Hop, ne jouons pas les radars. On se casse. Maintenant. Ça devait pas être pour le fric. Toi, t'es qu'un idiot. Quoi? Allez hop. Parti, non? C'est pas pour autant que ça te rend moins idiot. Drôle de façon de dire. Merci, Conrad. T'es vraiment lourd, Conrad. Je suis pas si lourd, je peux être aussi très doux, tu sais. Tu serais pas en train de me draguer? Et ça marche? Je sais même pas ce que je dois en penser. Bon, si jamais t'as une révélation, sache que je serai là à t'attendre, face à l'océan. Hashtag drague. Attends. D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh. Je sais que ça soit pas. Il y a Conrad qui fout la merde. Ah. Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Tu me fais marcher. Hein. Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Allez hop. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julien. Ok, on est en train de remonter. À toi. Ok. Ah, je vois le bateau repartir d'en dessous. Je le vois d'en dessous. Quelque chose me... en train de préparer les saucisses. Attends. Quelque chose me dit que vous serez plus sur le bateau. Ah, ok, explosion. Putain, il faut qu'on remonte vite. Je t'ai dit qu'il y avait de la merde. C'est rien, c'est Conrad qui sait pas mettre en route un putain de... Ah. Allez. Mais... C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. De barbecue. Allez, bon. Go. Ok, bon, on est en train de remonter. Dommage, je mets bien notre tête à tête. Faut allumer le grill. Oh, moi, je vois le bateau repartir d'en dessous. Ok, tu peux l'allumer. Je vois d'en dessous. Pour le reste, tu peux rêver. On est en train de préparer des saucisses. Quelque chose me dit que vous serez plus sur le bateau. Ah, ok, explosion. Je t'ai dit qu'il y avait de la merde. C'est rien, c'est Conrad qui sait pas mettre en route un putain de... Ah, allez. Ah. Merde, je suis désolé. Oh, fallait. Putain! C'est de ma faute. Mon bateau, ma faute. Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Pourquoi je te crois pas? Ok, il y a de l'argent qui flotte. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. Oui. Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan? Des pêcheurs ont surgi et se sont pris dans le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Conrad a proposé de les dédommager, mais ils étaient à cran et ils ont filé. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah. Eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Ah. Oh, la vache. Eh mec, la classe. Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Tu te souviens au tout début du jeu, enfin au tout début de la séquence, où il demandait à son frangin un conseil sur un choix important? Bah oui. C'était vis-à-vis de ça. Je m'en doutais. D'accord. Alors, chef, ça se passe bien? Non. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait... qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fleece, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Et qu'il y a de l'espoir! Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieux. Bonus débloqué, d'accord. Ouais, j'ai vu ça aussi. Au travail. Merci. Ah, ok. Pas de retour au menu cette fois. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionné. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit, eh, je vais en boire une, et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Non, oh, tu vas vers là. On a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Prémonition. Ah, en plus c'est moi. Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Et t'es qui? Je sais pas, j'ai pas eu le temps. Ah, Julia encore. Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs, j'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. Oh merde, c'est un signe. Conwin Island, j'avais raison. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. S'étaler, comme t'aimes le faire sur moi. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher, détends-toi un peu. Non, non, on va pas chercher, c'est bon, j'y vais. Oh. Hey, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. J'étais en train de regarder les photos que vous aviez faites. C'est laquelle... Tu sais, là où la magie opère. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien avec. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey. Oui. Encore félicitations, mec. Sérieusement, je suis très heureux pour vous. Mais d'abord, j'explore un peu. Encore félicitations, mec. Sérieusement, je suis très heureux pour vous. J'en reviens pas de la. Mais d'abord, j'explore un peu. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Eh bah, à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends, quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas si niais que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Eh ben, il y en a... Ah, j'allais dire, il y en a des photos, c'est bon, c'était la dernière. Hey, est-ce que t'as la feuille? Désolé, j'étais ailleurs. T'inquiète, on va la chercher. Bras de fer, joli cœur. T'as une meuf? C'est pas mon point fort. Eh, y a pas de quoi avoir honte. On finit tous par y arriver. Moi, j'ai pas perdu de temps, j'étais déjà prêt quand je suis né. Oh. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Allez, buvons. Pas de bière pour moi. On va résister à ça. Écoutez tous, visez ça. L'or de Manchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là qu'elle est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canots. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il y en avait qu'un qui manquait. Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo. Putain, mais vous êtes dingue. Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Alors quoi? De vieilles croyances? C'est tout? Sérieux? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances, et ça, ça marque. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas, et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Si, mais bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que dit Fliss. Raconte-nous ça. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. Quel con. Engueule ton frère. Voilà. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Dégueu. Ok, donc... qui l'a fait? La femme dit « C'était mon frère », puis se tourne vers le placard et dit « Il est caché là-dedans ». Génial, toujours le frère. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop horrible. Bravo. Super la chute. Ouh. Bien joué, mon grand. Oh, allez, c'était pas flippant. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. Tout tu sors ce règlement. C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 19-9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Moi, c'est moi. tuer Alex. Mmh, tuer Conrad. Excellente idée. Attaque. Pareil. On attaque. Pareil. Tu me calmes. En gros, fait le con, il me tranche la gorge. Mmh. Le moment des choix est venu. Ouais. Oh merde. Non. Il te dit quelque chose? Oui, je sais ce que j'allais dire, c'est les mecs qui étaient dans la navette. D'accord. Désolé, je parle pas le baïonné. Je peux retirer le baillon d'un de vous deux. Ah. Allez, de Alex. Ouais. Priorité aux joueurs. Attention, ça va déchirer un peu. Alors, ouais, retirer le baillon à toi ou à Julia. Priorité aux joueurs. Oh. Oh, je vais retirer le baillon. Allez, le dernier. J'avais l'option de parler avec toi. Ah. Ou de retirer le baillon. Ah, là aussi je peux te parler ou retirer. Écoute, retirer le baillot aussi, hein, voilà. Par contre, j'espère juste qu'elle va fermer sa gueule. Oui, c'est ce que je me suis dit en retirant le baillon de la capitaine. Ah, bon, bah, on a perdu du temps. Ah. Non, non, on n'était pas baillonnés, vous avez oublié. Hey, hey, lâche-moi! Ça y est, presque. Non, moi je dis on vire Conrad d'abord. Mmh. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Alors j'ai le choix entre détacher Conrad ou parler à Julia. Quand on va parler à Julia. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? Non. J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. Merde. Je peux te détacher ou examiner la porte. T'as pas voulu me détacher? Bah moi non plus. Oh putain, ça c'est... Non, je voulais pas me lever. Bon, d'accord. Tu vas le regretter. Je vois quelqu'un. Tu vas pourrir en prison. Oui, je pense voir ce que tu vois. D'accord. Attention, il attaque. Ah, je crois que j'ai raté mon action. Ah. J'aurais pu lui taper la jambe. Ok, moi c'était esquiver son coup de poing. Ah. Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Putain, elle a du caractère. Aïe. Je t'ai vu te faire frapper, là, à partir de la cabine. D'accord. Je pense que je vais pas tarder à mourir. Qu'est-ce qui se passe? Tu les vois? D'accord. Merde, Julia. Ils sont en train de tabasser Conrad. Faut qu'on se tire d'ici. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vais les buter un par un. On peut pas les attaquer au hasard. Il faut un plan pour tous les gens. Aïe. On doit d'abord se libérer et ensuite on verra. Allez, on va jouer Conrad. Ah ouais, tu sais t'y prendre avec les femmes. Ça pue la merde. Oh putain, oui. Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Ouais, là je revois la cabine. Je vais mourir, adieu. Connard, hé, faites puter. J'ai juste une vue sur mes deux personnages, j'attends qu'il se passe quelque chose. D'accord. J'ai perdu un morceau d'oreille. Ah. On s'occupera de lui plus tard. Moi je viens de trouver, elle vient de trouver un sac à main. Cool. Ah. Ok. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Non, on va se calmer un peu. D'accord. J'ai perdu un morceau d'oreille. Moi, je viens de trouver... Elle vient de trouver un sac à main. Cool. Ah. Attention, je reviens. Ok. Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Eh merde! Ah, tiens, t'es libre! L'ami savait des ciseaux dans son sac à main. Okay. Ferme-la un peu. Sauf que là, les deux joueurs sont ensemble. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Au fait, le frangin, il est où? Bah, prémonition. Ah, bah tiens. Est-ce que t'as vu mon frère? Non, désolé. J'espère que ça va. Ok. Tourne-toi. Ah, quand même. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Trop tard. Non, bordel de merde! Je vais bien. Ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon. C'est rien. Tant que t'as encore des doigts où je peux remettre une bague, ça va? Oui. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. J'étais à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Cherchez de l'aide. Bon. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On n'a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Ouais, j'y suis allé trop tôt. Tu sais pas compter, hein. Conrad, allez, va au bateau. Oups. Ah. Quoi? Oups. Bon, par contre, ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'on joue les mêmes persos. Ah. Quoi? Désolé. Je te veux pas de mal. Je m'échappe ou j'attaque? Je m'échappe. Ouvre l'œil. Et reste bien derrière moi. Je m'échappe. Ah, ça part tellement en live. Descendez mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici. Ah. Ok. Il a même pas remarqué que j'étais parti. Oh merde. Ah. Serait-ce un choix décisif? Ah, laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Ah, j'en sais rien, mais... Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. T'es avec nous sur le bateau ou t'es dans ton hors-bord? C'est ce que j'allais dire, pour info, je suis de retour avec vous dans le bateau. D'accord. Olson, viens voir. Enfin, Conrad est parti, mais... Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Manchourie? Je dirais presque qu'on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Oui. Ouais, bah ça va, ça promet bien pour l'instant. Ouais, c'est bien sympa. Le seul point qui me gêne un peu, c'est le fait que, on n'est pas des personnages assignés. Ah. Je veux dire que Conrad, ce soit toujours moi qui le gère, Alex et, je sais pas, Julia, ce soit toujours moi, et toi t'as les trois autres. Non, bon, ils sont que cinq. Moi, ça me dérange pas spécialement. Oh, je trouve que ça perd en continuité, du coup. Bon, non, moi, je trouve ça va. Si moi, j'ai envie d'être sérieux avec Conrad, je peux être sérieux, et ensuite, toi, tu prends Conrad, t'as envie d'être un gros débile, tu peux être un gros débile. Ça sort un peu du personnage, mais sinon, ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Ok. Voilà. Bah du coup, tout le monde, rendez-vous au prochain épisode. Laissez un like, abonnez-vous. Laissez un commentaire, dites-nous à quel point on est mauvais. Ouais, surtout moi. Et à bientôt. Au revoir.